29 décembre 1972, à deux jours des célébrations du Nouvel An, le vol 401 d'Eastern Airlines décolle de l'aéroport de New York avec 177 personnes à bord. Alors que l'avion est à proximité de Miami, un problème technique le précipite dans les marécages. Il s'écrase dans une zone infestée d'alligators et de serpents. Mais là où les histoires de catastrophes aériennes s'achèvent tristement, celle du vol 401 ne semble que commencer. La moitié des passagers sont retrouvés vivants. Lorsque les sauveteurs arrivent, on les trouve, ils sont regroupés autour d'une hôtesse et ils sont en train de prier, de chanter des cantiques de Noël dans la boue, dans des conditions absolument incroyables. Et certains n'ont rien, absolument rien. Malgré la violence du choc, 75 personnes survivent. Parmi elles, des passagers et des membres de l'équipage. Parmi ces passagers, il y a des gens qui étaient déjà des miraculés. Ils avaient déjà survécu à des crashs. Certains étaient tombés de plusieurs étages. Un autre avait eu un terrible accident de voiture. Tous ces gens s'en étaient déjà tirés. Le pilote Bob Loft et le mécanicien navigant Don Repo sont tués sur le coup. Pourtant, quelques semaines après la catastrophe, les deux hommes refont étrangement parler d'eux sur un autre vol d'Eastern Airlines. Un jour, l'un des membres d'équipage dit qu'il a vu un fantôme à bord de l'avion. Ce fantôme, c'était le mécanicien navigant qui lui a parlé dans l'avion. Dans les jours qui suivent, un deuxième témoignage vient confirmer les apparitions. Puis un troisième, un cinquième, un dixième. Bientôt 27 témoignages d'hôtesses, de pilotes et de mécaniciens viennent attester du phénomène. Celui qui me trouble le plus, c'est le témoignage du plus ancien commandant de bord de la compagnie, qui est le senior captain d'Eastern Airlines, qui est donc vraiment celui qui est le plus respecté, qui est celui qui dit qu'un jour il est en vol et il entend un froissement à côté de lui. Il se retourne, il voit Donald Repo qui apparaît et Donald Repo lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, je suis là pour veiller sur l'avion. Cet avion ne marche pas bien, mais ne t'inquiète pas, je suis là. » La presse s'empare alors de l'affaire, mais la compagnie aérienne voit d'un mauvais œil cette terrible publicité faite à Eastern Airlines. Elle menace de licencier tout salarié qui témoignerait de ces étranges apparitions. Ce qui paraît incroyable, c'est qu'elle fait une lettre de menace aux membres de sa compagnie, à son personnel, mais que d'un autre côté, elle fait venir un prêtre exorciste pour aller dans les avions, pour mettre de l'eau bénite, pour protéger et exorciser les avions. Sujet désormais tabou, la compagnie met fin aux rumeurs et donc aux apparitions. Mais rien n'y fait. Aujourd'hui, les deux fantômes continueraient de hanter la mémoire des survivants du vol 401. Hallucination collective ou phénomène paranormal, personne ne le saura jamais.